Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer l'équation cartésienne d'une droite lorsque nous connaissons deux points. On va le traiter avec deux méthodes différentes. Il y a deux exemples. Chaque exemple, on va traiter une méthode. Première méthode. Eh bien ici, en fait, on a deux points. On va calculer l'équation cartésienne d'une droite. On rappelle que l'équation cartésienne d'une droite, c'est de la forme ax plus by plus c est égal à 0. Et une droite admet un vecteur directeur de la forme u qui est égal à moins ba. Et bien dans notre situation, lorsque nous avons deux points, le point A et le point B, et bien un vecteur directeur de la droite AB que nous cherchons, et bien ici c'est le vecteur AB. Donc on va calculer le vecteur AB qui va correspondre ici à notre vecteur directeur de la droite, hein, un vecteur directeur de la droite. Donc le vecteur AB c'est x de B moins x de A et y de B moins y de A. Donc en fait ici, lorsqu'on calcule AB, ça va nous faire x de B, bien c'est moins 1, moins 1, moins x de A, donc moins 2, et y de B, 5, moins 3. Donc le vecteur AB, ici, tout simplement, eh bien c'est moins 3, et ici, c'est 2. Donc ça, c'est notre vecteur AB. Et le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de notre droite. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que U, c'est un vecteur directeur, c'est de la forme moins BA. Le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de notre droite. Eh bien, ça signifie que dans notre vecteur AB, ici, qu'on va réécrire, qui est ici moins 3 et moins 2, eh bien, on va pouvoir ici identifier que ça, ça correspond à moins B et que ça, ça correspond à A. Donc, autrement dit, on a moins B qui est égal à moins 3 et A qui fait moins 2. Donc, on va pouvoir tout simplement dire eh bien que B, c'est 3, et que A, ici, c'est 2. Et donc, tout simplement, on va pouvoir maintenant écrire notre équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C, donc le A, c'est 2, et le B, ici, c'est 3. Donc, ça va nous faire 2X plus 3Y plus C égale à 0. Et enfin, maintenant, il va falloir déterminer la valeur de C. Pour déterminer la valeur de C, eh bien, la droite AB passe soit par le point A ou soit par le point B. Donc autrement dit, un des deux points, les deux points vont vérifier l'équation cartésienne recherchée. Donc il va falloir choisir un point au hasard. Et donc on va prendre par exemple le point A, mais on peut refaire la même chose avec le point B. Et donc le point A, vérifiant ici l'équation cartésienne, et bien ça s'écrit 2xA plus 3ya plus C égale à 0, puisqu'on a pris le point A, donc on remplace le x par xA, et le y par ya, donc ça va nous faire ici 2 fois 2, parce que xa c'est 2, plus 3 fois ya, donc fois 3, plus c égale à 0. Donc c'est une équation pour obtenir la valeur de c. Donc ça nous fait 4 plus 9, donc ça nous fait 13. 13 plus c est égal à 9. Donc ça implique que c, ici, est égal à moins 13. Et donc au final, notre équation cartésienne qui passe par les points a et point b ici, eh bien, va s'écrire 2x plus 3y moins 13 est égal à 0. Donc ça, c'est la première méthode, c'est-à-dire on a calculé ici eh bien, l'équation cartésienne de notre droite en utilisant un vecteur directeur de notre droite plus un point passant par la droite. On va faire la deuxième question, donc c'est le même procédé, mais avec une méthode différente, on va intervenir un peu la notion de déterminant. Donc en fait, ici, pour comprendre ce que je vais faire, je vais placer au hasard les points A et les points B et je vais introduire un point M que je ne connais pas. D'accord ? Donc un point M, on le met au hasard. Donc ses coordonnées, c'est x, y. Et le point M appartient à la droite AB. D'accord ? Donc en fait, ici, la première chose que nous allons faire, c'est calculer le vecteur AB. Et ensuite, on calculera après le vecteur AM. Et on sait que les points ABM sont alignés. Et donc après, on va intervenir la notion de collinéarité. Donc en fait, ici, le vecteur AB. Donc le vecteur AB, x de B moins x de A, y de B moins y de A. Donc le vecteur AB, y de x de B, c'est 2, moins, moins 5, y de B, 7, moins 4. Donc le vecteur AB va s'écrire tout simplement 7 et ici 3. Parce que moins, moins 5, ça fait plus 5, donc 7 et 3. Donc ça, c'est le vecteur AB. Maintenant, on va calculer le vecteur AM. Ou le vecteur BM, comme vous voulez. Donc on va prendre le vecteur AM, le vecteur AM, donc X de M, donc ça va être X, puisque le point, l'abscisse du point M, c'est X ici, donc c'est X de M moins X de A,
y de m moins y de a. Et donc am va s'écrire x de m, bah c'est le point, l'abscisse x de m c'est x, donc ça nous fait x, x moins xa, donc le point xa c'est moins 4, l'abscisse de a c'est moins 5, pardon, donc ça fait moins moins 5, on écrit hein, x moins moins 5, et y moins ici le y de a qui est 4, donc en fait ici, ça nous fait y moins 4. Et donc ça nous fait tout simplement am, on va le mettre ici, AM est égal à x plus 5 et y moins 4. Donc ça, c'est le vecteur AM. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Et bien, ça, c'est important. A, M et B sont alignés. Donc, les vecteurs AB et AM sont collinéaires. D'accord? Sont collinéaires. Et donc, en fait, s'ils sont collinéaires, ça signifie que le déterminant des vecteurs AB, AM, il est forcément nul, parce que les vecteurs sont collinéaires. Mais qu'est-ce que c'est que le déterminant? Donc ça, on va rappeler la formule. Donc on va réécrire ici le vecteur AB, pour nous faciliter, qui fait 7, 3. Le vecteur AM, on se rappelle que c'est x plus 5, y moins 4. Ici, je vais noter grand X, grand Y, grand X prime, grand Y prime, et le déterminant, c'est tout simplement le calcul, on rappelle que le calcul que c'est X, Y prime moins X prime Y. Ça, c'est la valeur du déterminant. Et ce calcul, il est nul, il vaut 0 si les vecteurs sont collinaires, et c'est le cas ici. Donc, on va appliquer cette formule, et ça doit être égal à 0, et on va obtenir à la fin une équation cartésienne. Donc en fait ici x c'est 7 fois ici y prime, donc c'est facteur de y moins 4 moins x prime, donc en fait x prime ici c'est x plus 5 facteur de y, donc fois 3, et ça doit être égal à 0. Donc vous allez développer maintenant l'expression, on va développer ensemble l'expression, donc ça nous fait 7y moins 28 moins 3x moins 15 égale à 0. On va réduire et on va obtenir notre équation cartésienne de notre droite. C'est-à-dire, tout simplement, 7, alors moins 3x plus 7y moins 43 égale 0. Et donc, à travers cette vidéo, on a vu les deux méthodes qu'il faut utiliser pour pouvoir calculer l'équation cartésienne d'une droite à partir de deux points. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.